Bonjour à tous, c'est Anthony Arquet ou Lieutenant Crow, comme vous préférez. Et aujourd'hui, je vous présente mon nouveau M4 Sherman. Alors, on va déballer tout ça. Voilà, alors la facture. Et voilà. Le Sherman. Enfin, sa boîte du moins. Je sais pas comment ça s'ouvre du tout. Alors, voilà. Alors, ici, tous les accessoires. La batterie. Les billes de 6 mm. Prise anglaise, donc c'est pas peut-être à modifier. Et là, nous avons la télécommande. Voilà. Déjà à tordre. Et voici enfin le voilà les personnages. Je vais faire tout ça. Et voilà. Notre M4 A3 Sherman. Un peu lourd. Je l'ai mis en plastique, en ABS, avec maille en métal. Voilà. Alors voilà, après on va m'être débattu avec tous les bouts de polystyrène. Bon, alors voici le char. Et je vais tout de suite voir tous les accessoires. De secours, bidon, caisse, sacoche, caisse de munitions, des rambardes de décrochés, je suppose, chenille. Notre alors là le calibre 50 je crois, je sais pas, puis tout l'outillage, voilà. Bon, ensuite les billes, c'est simple, l'embout inutile pour moi, la mitrailleuse qui se fiche ici,
Là, je crois, je sais pas si je suis dans le bon sens. Non, je suis pas dans le bon sens. Hop. Voilà. Et tous ces petits démaillants de rechange ici. Bon, je les déballe, mais en fait, je vais les laisser là. Le chef de char qui se positionne ici, je suppose. Accroché. Et voilà, après, ensuite il y a. Je ne veux pas tenir. Batterie, chargeur, tout simple. Bon, et bien maintenant, je pense qu'on va monter les accessoires. Et bien, une fois tout ça bien ébavuré, et bien, il reste plus qu'à le monter sur le char. Donc allons-y. Bon, et bien, le montage est terminé, j'ai monté à part parce qu'il faut coller certaines pièces qui risquent de tomber. Et en plus c'est très long. Donc voilà, je pense que ça va être l'heure de tester. Bon, avant ça, je vais mettre quelques billes. Voilà, simple. Hop. Par contre, je sais pas s'il y a assez de jus dans la batterie. Sinon, pour le chargeur, c'est une prise anglaise, donc avec trois faces plates, donc mince. Voilà. Donc on peut acheter un adaptateur, voilà. Donc pour 2 euros, je l'ai acheté dans un magasin de bricolage. Comme ça, on peut brancher sur une prise française à partir de ça. Voilà. Donc je vais mettre la batterie. Se situe en dessous ici, donc faut dévisser. Bon, voilà, une fois tout ça dévissé, hop, on fait gaffe à pas tomber les billes qui sont dans le chargeur, et on branche la batterie. Voilà, alors voilà, de ce côté. Bon, c'est un peu compliqué à faire là, pour l'instant, parce que je filme en même temps. Voilà, comme ça. Pour l'instant, je vais juste tester les fonctionnements. Bon, par contre, je crois que j'ai pas de... Non. Voilà, il me faut des piles. Bon, une fois toutes les piles insérées, on allume le tout. Oui, ça. Donc, ça a l'air de marcher. Bon, je vais reposer ça. On va voir si c'est pas attaché. Bon, par contre, je suis pas sûr. Beaucoup de batterie.
Donc voilà, montée et descente du canon qui se fait ici. En haut, le tir. Bon, je vais pas tirer parce qu'on est dans un petit endroit. Rotation de la tourelle. Tourner à droite, à gauche, avant, arrière. Voilà, tout simple. Bon, on va refermer tout ça. Et on va essayer de passer au test. Je sais pas si j'aurai assez de batterie, je vais laisser charger quelques minutes. Donc nous voilà pour les tests. J'ai oublié de vous dire, je l'ai acheté pour 119 euros, mais en promotion, donc il coûte 130 euros, 129. Et je l'ai commandé sur minitanks.fr, donc un très bon site qui livre bien correctement. Donc voilà, bon, passons au test. Hop, je vais mettre ça là, je sais pas si on voit quelque chose ici. Bon, j'essaie tant bien que mal de contrôler ça à une main. Oh. Donc voilà, le char est équipé d'une boîte de vitesse en métal et les suspensions qui sont fonctionnelles. Donc la tourelle. Montée, descente du canon, puis tir. Voilà. J'espère que ça vous aura plu et n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer. Donc voilà. Au revoir.